Bonjour, je m'appelle Matthias Mauch, je suis le gérant de Gerando, notre agence en Allemagne, qui s'occupe des relations professionnelles avec les directeurs de soignage et les directeurs des hôpitaux en Allemagne. Le programme Gerando étudiant, en coopération avec l'Université centrale, focus sur la recherche et l'échange des professionnels jeunes entre la Tunisie et l'Allemagne, dans toutes les deux directions. Principalement, bien sûr, qu'on a un focus sur les infirmiers qui veulent ou qui recherchent du boulot en Allemagne. Et nous, on fait tout ce qui est entre la Tunisie et l'Allemagne, c'est-à-dire les papiers, la communication avec les institutions, la communication avec les employeurs, même que la communication avec l'université centrale et les autres métiers en Tunisie. Verband der katholischen Kliniken Düsseldorf recherche des infirmiers de tous les secteurs. C'est une association des cliniques catholiques à Düsseldorf. C'est-à-dire que, par exemple, l'Église en Allemagne, c'est encore un grand employeur dans le secteur de la santé. Ils recherchent des infirmiers de toutes les professions, la gériatrie, la psychiatrie, l'orthopédie, la médecine interne, tous les secteurs. Et en Tunisie, on recherche ensemble avec les directeurs de soignage pour trouver des infirmiers qui veulent travailler en Allemagne. Pour notre programme, on recherche particulièrement les infirmiers avec les connaissances de la langue B2, l'allemand, pour des raisons différentes. Premièrement, l'échange avec l'employeur est très très important. Il faut que ça soit efficace, particulièrement quand vous travaillez au lit avec des patients. Deuxièmement, votre vie privée, c'est-à-dire vos amis, votre système social, ça dépend de votre langue, la connaissance de la langue. Bien sûr que c'est difficile d'avoir le B2, mais quand même, il y a des grands bénéfices si on le fait correctement. Et nous, on propose que des contrats avec les connaissances de la langue B2 en allemand.